Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un tout nouveau tutoriel. J'espère que vous allez tous très bien en cette aussi belle journée. Aujourd'hui, je vous montre comment jouer la nouvelle chanson de Eva qui s'intitule « Amour impur ». Mais avant de débuter, si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à aller ci-dessous et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche, de cette façon, vous allez être notifié à chaque fois que je vais mettre un nouveau vidéo en ligne. Mais avant de débuter, si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à aller ci-dessous et vous abonner. Également, activer la cloche, de cette façon, vous allez être notifié à chaque fois que je vais mettre un nouveau vidéo en ligne. Bon, prenez votre guitare car nous allons commencer maintenant. Donc, la chanson se joue en accordage standard. En termes d'accords, c'est très 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 simple. Nous avons juste trois accords durant toute la chanson. On commence par un Mi mineur. Mi mineur, sur la deuxième case, nous avons l'accord 5 et 4 avec le doigt du milieu et l'annulaire. Ensuite, nous avons un Si mineur. Donc, on va venir barrer la deuxième case de la cinquième à la première corde, doigt du milieu, troisième case, deuxième corde. Sur la quatrième case, nous avons la quatrième et la troisième corde avec l'annulaire et le petit doigt. Et finalement, nous avons un La mineur. Majeur et annulaire sur la deuxième case, cordes 4 et 3. Ensuite, l'index sur la première case, corde 2. Donc, assez simple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'arpège qu'on entend dans la chanson qui sonne comme suit. Nous allons débuter avec notre première position, bien évidemment c'est le Mi mineur. Nous allons simplement déposer l'annulaire sur la troisième case, première corde. Et nous allons jouer les cordes 6 et 1 ensemble. 2, 3, 1. Nous allons passer au prochain accord, le Si mineur. Pour celui-ci, nous allons simplement déplacer notre annulaire sur la deuxième case et venir placer le majeur sur la deuxième case, cinquième corde. Avec la main droite, nous allons pratiquement faire exactement la même chose qu'avec le premier accord. Par contre, au lieu de débuter sur la sixième corde, nous allons débuter sur la cinquième corde. Donc, 5 et 1 ensemble. 2, 3, 1. Donc, si je reprends du début. Donc, dernière position, le La mineur. Très simple, nous allons uniquement déposer le majeur ou l'index, peu importe, sur la deuxième case, quatrième corde. Et nous allons jouer les cordes 5 et 1 ensemble. 2, 4, 1. Nous allons répéter une deuxième fois. De nouveau. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple, assez straightforward. Donc, je vais le rejouer de nouveau lentement et je laisserai aussi la tablature ici dans l'écran afin que vous puissiez suivre en même temps. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce mini tutoriel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ici en bas, ça aide grandement à l'évolution de la chaîne. Également, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, si vous désirez plus de tutoriels, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour vous maintenir au courant de tout ce qui se passe dans la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, on se voit dans la prochaine capsule. Stay safe guys. Peace!